Bienvenue à toi, pèlerin. Aujourd'hui, nous allons parler de Bernard de Clairvaux, également connu sous le nom de Saint Bernard. Il est l'un des hommes ayant le plus influencé l'Europe médiévale au début du XIIe siècle, et on peut même dire qu'il l'a en partie modelé. Cofondateur des Templiers, véritable superstar de l'Église et orateur de génie dans l'entourage des puissants, Bernard est présent sur tous les fronts. Sa vie est tellement riche que nous allons tenter de la résumer en quelques points majeurs. Prêt ? C'est parti ! Première question, qui est Bernard? De son vrai nom Bernard de Fontaine, il naît dans la région de Dijon vers 1090, c'est-à-dire peu de temps avant la première croisade. Il est issu d'une famille de la noblesse bourguignonne, dont les plus illustres personnages se trouvent dans la branche maternelle. Parmi eux, bien sûr, son grand-père, Bernard Ier, comte de Montbard, mais aussi son oncle, le frère de sa mère, André de Montbard, l'un des 9 premiers Templiers qui deviendra plus tard le 5e maître de l'ordre. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas sur de la lignée royale, mais il y a prestige quand même. Vers l'âge de 10 ans, Bernard part suivre une éducation religieuse et littéraire à l'école de Saint-Vorle, à Châtillon-sur-Seine. À 22 ans, il intègre la récente abbaye de Cîteaux, berceau de l'ordre des Cisterciens. À cette époque-là, déjà, Bernard est doté d'un charisme et d'une aura importante, puisqu'il convainc près de 30 personnes de son entourage, dont plusieurs de ses frères, de l'accompagner dans cette nouvelle vie religieuse. Oh, temps mort, une seconde. Juste une petite parenthèse pour vous expliquer ce que sont les cisterciens. C'est un mot qu'on entend de temps à autre sans toujours savoir précisément de quoi on parle. Laissez-moi vous expliquer. Les cisterciens sont un courant monastique créé à la toute fin du XIe siècle. Ils recherchent plus de rigueur, de simplicité, de sobriété dans la religion. Et pour cela, ils s'engagent dans une relecture plus modeste de la règle de Saint Benoît. En cela, ils s'opposent au courant monastique majoritaire jusqu'alors, les clunisiens, qui, selon les cisterciens, s'étaient perdus dans le faste et dans l'orgueil. La parenthèse est terminée, on peut y retourner. Comme je vous le disais plus tôt, en 1112, Bernard devient moine de Cîteaux et donc un cistercien. Ses capacités font qu'il se fait rapidement remarquer par son abbé, Étienne Harding, qui en 1115 décide de lui confier la fondation d'une nouvelle abbaye, près de Bar-sur-Aube, dans la vallée de l'Absinthe. Bernard, accompagné de 12 autres moines, se rend sur ce territoire, offert par le comte Hugues de Champagne. Le 25 juin 1115, l'abbaye de Clairvaux voit le jour. Elle tire son nom du lieu-dit sur lequel elle est installée, la Clairvallée. Tout naturellement, Bernard en devient l'abbé et prend donc le nom de Bernard de Clairvaux. En lui confiant cette responsabilité, Étienne Harding a eu le nez creux. Grâce à ses compétences orales et son charisme, Bernard devient très vite un porte-parole inespéré pour le nouveau courant monastique des cisterciens. Autant vous dire que tous s'accordent sur ses talents d'orateur. Là où il passe, il conquiert les cœurs. En 1116, par exemple, tout jeune abbé, Bernard part prêcher à Châlons. Suite à son allocution, une trentaine de moines va le suivre vers Clairvaux. Et ils ne seront pas les seuls. Ces coups de filet qu'on appelle les captures de Bernard sont très nombreux à être documentés. Malgré des conditions de vie difficiles, les candidats affluent de partout pour participer à la nouvelle expérience proposée par les cisterciens, et en particulier par Bernard. Un bon indicateur de cette réussite est sans doute celui de ce qu'on appelle les abbayes-filles. Pour schématiser, disons que les abbayes cisterciennes sont organisées sous la forme d'un arbre généalogique. Chaque abbaye, grâce au travail de son abbé,
génèrent de nouveaux établissements, qui à leur tour génèrent de nouveaux établissements, etc., etc. Sous la direction de Bernard, Clairvaux devient sans doute la plus fertile des abbayes cisterciennes, avec près de 70 filles dans 12 pays. À titre comparatif, l'abbaye de la Ferté, quant à elle, qui est la première fille de Cîteaux, n'engendrera que 5 filles directes. Comme vous l'avez compris, la fondation d'une abbaye-fille signifie le départ de 12 moines et d'un abbé formés au sein de l'abbaye-mère. Et étant donné le nombre de filiales qu'il crée, Bernard a des besoins de recrutement permanents. Mais cela lui permet aussi d'inonder l'Europe avec sa parole et ses écrits, faisant de lui le véritable champion des porte-paroles pour l'ordre des cisterciens. Forcément aussi, parmi ses disciples, certains deviennent à leur tour des personnages importants. On compte par exemple 11 évêques, 5 cardinaux et même un pape. Bernard modèle l'Europe médiévale selon ses convictions. Oui, mais tiens, que prêche-t-il exactement? La réponse est simple, l'ascétisme. C'est-à-dire une manière de vivre par la privation et la discipline afin de viser la perfection spirituelle. Et cette ascèse, elle est partout. Mode de vie, architecture, décor, rien n'y échappe. Bernard défend la sobriété et il a horreur de ce qui brille. Il prêche pour la monochromie du vitrail et des enluminures, ainsi que pour des champs neutres, sans trop de dynamique. Tout doit être simple, sans fioritures, pour ne pas perturber la piété du moine. Outre son travail d'abbé, Bernard participe à de nombreux événements qui ont marqué l'histoire. Bon, celui qui nous intéresse le plus a lieu en janvier 1129. Il participe au concile de Troyes, qui officialise l'ordre du Temple. Dans la milice se trouve notamment son oncle, André de Montbard, mais aussi l'homme qui lui a offert le terrain sur lequel il a bâti Clairvaux, Hugues de Champagne. Depuis longtemps, Bernard navigue dans l'entourage proche des tout premiers Templiers, ce qui fait qu'il n'est pas étonnant de le retrouver à ce moment charnière de l'histoire de l'ordre du Temple. Peu de temps après le concile, il confirme son soutien aux Templiers en rédigeant l'Éloge de la Nouvelle Chevalerie, un texte vibrant dans lequel il valorise les Templiers qui défendent la chrétienté, tout en fustigeant les chevaliers séculiers qui, selon lui, n'ont pour seul moteur que leur vanité. Mais évidemment, la Bernard's Touch ne s'arrête pas aux Templiers. En 1130, par exemple, il prend position et favorise la montée sur le Saint-Siège du pape Innocent II lors du schisme d'Anaclète. 15 ans plus tard, son influence va encore plus loin avec l'élection du pape Eugène III, qui est l'un de ses disciples et amis proches. En 1146 aussi, on le retrouve prêchant la seconde croisade à Vézelay devant un parterre enflammé par ses propos. À cette occasion, il n'oublie pas non plus de faire la promotion de sa propre abbaye aux jeunes désireux d'aller défendre la chrétienté. On lui prête d'ailleurs des propos qui ne manquent pas de panache. « Tu veux aller à Jérusalem ? Viens à Clairvaux, tu y seras plus vite. » La légende autour de Bernard veut que sa force de persuasion fût telle que les mères cachaient leur fils sur son passage afin qu'il ne les recrute pas. Bernard est de ceux qui interviennent, partout, tout le temps. On le voit prêcher contre les cathares dans le sud de la France. En Allemagne, il défend des juifs, violentés par certains de ses anciens disciples de Clairvaux. Il promeut le travail de la jeune Hildegarde de Bingen et correspond fréquemment avec elle. Et c'est en partie grâce à son appui qu'elle deviendra la figure majeure qu'elle est aujourd'hui. On le retrouve aussi s'écharpant avec quelques hommes influents qui ne partagent pas sa vision, comme le théologien Abélard ou l'abbé Sugère. Pas besoin d'en dire plus, je pense que vous l'avez compris, Bernard de Clairvaux est un personnage fascinant, auquel nous devons de grandes métamorphoses du début du XIIe siècle. Malheureusement, il finit par mourir en 1153, à l'âge de 63 ans, après une vie incroyable. 21 ans après sa mort, l'Église reconnaît en lui un saint et le canonise, faisant du petit moine de Cîteaux le grand Saint Bernard de Clairvaux. J'espère que vous avez apprécié ce portrait.
N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Nous, on se revoit très vite. D'ici là, cherchez, lisez, visitez, mais surtout intéressez-vous à l'histoire.